Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Majora's Mask, nous sommes au Palais Mojo. Regarde, écoute-moi cette belle chanson. Moi j'aime bien cette musique. Bonjour, je viens voir le supplice du singe. On t'a dit d'entrer que dans la salle du trône. Oh, quand est-ce que tu vas comprendre, bon sang? Ok, ok, pas de problème, j'y vais. Je me demande ce que ça fait si je sors la princesse ici. Bah rien, ça marche pas. Ah, ça va la montrer. Ça ne semble pas fonctionner. C'est horrible, monsieur Okari! Bah oui. Vite, ouvrez ce flacon et relâchez-moi devant mon père! Monsieur... Go, princesse Mojo! Attention! Pouf! Oh, il est plus grand que Link Mojo. Oh, ma princesse, ma tendre princesse, vas-tu bien? J'étais si inquiet! Ah, père, il réfléchit! Aïe, aïe! Aïe! Mais arrêtez, madame! Oh non, 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 oh non, non, oh non, oh non, oh non! Que faites-vous? Libérez ce singe à l'instant! Très bien, madame, 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 très bien, madame. Oh. J'espère que vous allez bien, monsieur singe. Oh, monsieur singe, je suis réellement désolée! Ah, nous, on voulait fait pas des choses faire ça, tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet! Moi comprendre, princesse, vous oubliez ça, tant pis être devenu normal! Eh bien oui, grâce à Monsieur Okari ici présent, je suis sincèrement reconnaissante. Vraiment, alors toi, t'appelais Okari, non? Merci toi avoir tenu princesse envers moi, promesse. En signe de gratitude. Ah non, c'est la princesse. Notre chancelier vous a préparé un petit quelque chose, nous vous prions de l'accepter. Vous le trouverez dans le sanctuaire à droite du palais en sortant. Ah, c'est le drame des Mojo, il veut te donner quelque chose, c'est un drame. Bah c'est sûr. Je me rends compte que c'était une grave erreur de prendre une décision si rapidement, je suis trop impulsif. Oh, étrange voyageur, je ne peux pas faire grand-chose, repose-toi un peu avant de repartir. Il semblerait que notre chancelier ait une autre opinion de vous, monsieur Okari. Je pense qu'il vous attendra dans notre sanctuaire à droite en sortant du palais. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Mais pardonnez-moi si je refuse de voyager à nouveau dans ce minuscule flacon. Quoi? Mais il est très bien ce flacon! Il permet de transporter plein de choses! Non, c'est bon, j'ai lu! Je vais faire un mini-jeu! Je crois que j'aime pas ce mini-jeu. Oh, ils l'ont peut-être changé, hein? T'aimes pas faire la course contre Igor le Fossoyeur? Non. Moi non plus. Mais il est gentil, lui! Te jette pas du feu dessus, tu vois! Non! Ah mais si, attends. Bon, tant pis. T'inquiète pas, je peux regarder. Il y a une statue pour sauvegarder. Oui, mais je crois que c'est juste une statue plume. Oui, c'est une statue plume. Oui, voilà, elle est là. Mais c'est pour ça, je suis pas... Enfin, elle apparaît sur la carte, hein, mais... Moi, je l'avais pas vue, hein. Bah non, tu vois pas la carte. Pour ça, là, j'étais pas surpris, mais... Étonné qu'il n'y ait pas de point de sauvegarde ici. Ouais. Et finalement, il y en a bien un. Bravo! C'est parti! Le sanctuaire Mojo. Okari, je suis sincèrement reconnaissant de ce que tu as fait pour la princesse. En signe de gratitude, nous, Mojo, t'avons préparé quelque chose qui pourrait t'aider. Je vais t'y emmener. Suis-moi. Je n'ai toujours pas compris l'utilité de ton cadeau, monsieur. Non mais il sert à rien son cadeau. C'est pour avoir une potion bleue, mais ça sert à rien. Puisque les potions bleues, tu peux les acheter dans la vallée Ikana. Donc au final, ça sert vraiment à rien. Il y a plein de Mojo dans le sanctuaire. Bah ouais, c'est le sanctuaire des Mojo, c'est pas pour rien. C'est marrant parce qu'en fait, là, je le suis. Et après, hop, la carte, elle... Ah là, elle apparaît plus, la carte. Ah là, si, hop, elle est apparue, la carte. Elle apparaît après. Là, je crois qu'il y a... Moyen ! Ah, il faut se transformer en Link normal. C'est ouais, chaud, bien. Sinon. Ah ouf. Ok, la caméra là, ok, d'accord. Effectivement, oui, il y a moyen de passer avec Link normal sur les trucs rouges, enfin sur les rubis rouges. Mais j'avais complètement oublié qu'il fallait être en Link. Je me souvenais pas de cette salle. Si.
Mais ça se referme ou des trucs comme ça si je le rate? Oui, oui, ça se referme quoi. Comme Igor en fait, il y a des portes en fait. Voilà, je me gauche, suis gauche, 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 gauche. Non, non, non. Bah c'était gauche hein. Ouais, mais non, droite maintenant, on va là-bas. Là? Oui. Dépêche-toi. T'entends les murs là, ils deviennent fous. Oh bah c'est plus du feu. Bon, en même temps, du feu dans un truc mojo, c'était un peu bizarre quand même. Pourquoi t'aimes pas ces nouvelles barrières? Oh bah, d'un côté, je suis content pour eux parce que bon, c'était un peu chaud d'avoir du feu partout pour eux. Hein. T'imagines, surtout, tu vois, Link Mojo encore, il est cool, il est quand fait en bois, mais les autres, ils ont des fleurs, des plantes et tout. Du coup, ils devaient facilement brûler, les pauvres. En bas. C'est lui. Ouais. Eh ben dis donc, c'est long, je me souvenais pas que c'était si. Ah si, c'est long. Et là? Là, tu dois être. Normal. Parce que Link Mojo il peut pas sauter assez loin. Hop là. Allez! Oh, des rubis, c'est gentil. Je sais pas s'ils nous attaquent, ces mojos. Non, ils sont gentils, c'est des good guys. Et je peux les taper? Non, tu peux pas les taper non plus. Bien joué, Okari. Maintenant, voici l'objet que je t'ai promis. Accepte-le, s'il te plaît. Le masque de canon. Oh, il est beau, en plus. Il y a un trou derrière. Je sais pas comment tu passes ta tête dedans, mais... En fait, quand je te regarde, tu me rappelles mon fils qui a quitté notre foyer il y a longtemps. J'avais l'impression d'être à nouveau en train de faire la course avec lui. J'ai peur d'avoir essayé de me dépasser, je suis plus aussi jeune qu'avant. Et tu sais comment il s'appelait, mon fils? Oui. Oh bon bah, si tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Mais je vais te le dire quand même. Il s'appelait Mielsey. Oh, je le savais. Fais bien attention à toi, Okari. Bon, maintenant, tu peux encore aller faire un mini-jeu, du coup. Ah? Ouais. Le drame des Mojo 3. T'as réussi à récupérer le masque des cochons. Des parfums. Mais vous dites quoi, vous? Non, mais... En fait, quand je te regarde... Non, ils disent rien. Ils savent pas parler, ils sont bêtes. C'est des idiots. Faut pas leur parler, c'est des cancres. Ok, pardon, je m'en vais. Par contre, là, j'arrive pas à me souvenir ce que je dois faire de plus. Bah, tu dois parler à Kotake, en fait. À Kume, pardon. Kume. C'est pas la même personne. Mais en fait, je peux directement m'envoler. Ouais, tu peux te TP, du coup. Ah. Tu vas pouvoir participer à un magnifique mini-jeu où tu dois taper le plus de fois sur Kume. Ça a l'air terrible ce que tu dis. Hop là. Bon, c'est pas vrai. Tu dois justement pas tirer sur Kume, mais c'est pas grave. Ah, je vois de quel mini-jeu il s'agit en fait. Je ne l'ai jamais fait. Bah, c'est bien l'occasion de le faire alors. Il y a une première fois pour tout. Et hop, je sais pas s'ils vont vouloir de moi en mojo par contre. Non, ils veulent pas de toi en mojo, t'es pas beau. Nous ne parlons pas aux gens de ton espèce. Voilà. Ah, merci pour ton aide précieuse. En signe de ma gratitude éternelle, je t'offre une croisière. Ah, mais attends, oui, je l'avais deviné. On dirait que le poison dans l'eau est neutralisé. Alors pourquoi ne pas essayer autre chose? Que penses-tu d'un petit jeu? Je vole sur mon balai et tu tentes de toucher les cibles que je tiens. Tu veux essayer? Si j'ai des flèches infinies, ça me va. Ouais, t'as des flèches infinies. Par là. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas moi qu'il faut viser avec cet arc, mais la cible. Si tu me touches, je te le pardonnerai jamais. Mais c'est pas grave si on la touche. Non, c'est pas grave. Moi, j'ai pas arrêté. Hein. Mais non, c'est bon, là, tu peux y aller. Oh là là, quel talent. Incroyable. Bah, je l'ai envoyé sur le mur. Oh. Mais pourquoi j'appuie en haut? Ah, ça y est, je suis plus joué. Désolé. Je vois plus. Mais c'est pas grave, tu peux bourriner quand même. Hein. Oui, mais elle avait bougé, tu vois. Mais c'est pas vrai, cette cible, elle mou... Ah. Pardon. Oh, comment la flèche, elle a volé. Elle est en acier, cette dame. Elle est en acier, moi, je te dis. Mais je le touche, là. Je sais même pas combien de points je dois faire. Je sais pas en fait. Allez, on triche. Ah oui, hésite pas. Hein. Je me disais aussi, pourquoi tu vas aussi lentement? En fait, on peut plus y aller aussi vite. Non, mais j'osais pas. Il faut oser dans la vie, faut oser. Si je la touche. Mais tu t'en fiches de la toucher, elle est en acier. Tu vois pas comment la flèche, elle rebondit sur elle. Elle fait des bonds de 3 km la flèche quand elle la touche.
pas descendre aussi bas, madame, vous allez vous faire tirer dessus. Tu joues à Dunk Hunt. Ah oh bah oui. Elle va de plus en plus loin, hein. Ah ouais, c'est plus difficile comme ça. Comme ça, elle se fait shooter dedans, elle est contente. N'empêche que pour l'office du tourisme, enfin je sais pas si c'est vraiment un office du tourisme, mais... Oui, oui, c'est un elle était super loin de chez... de son lieu de travail. T'as vu comment elle se fait super mal, là? Comment ça, elle habite super loin de son lieu de travail? Mais non, mais la forêt, je veux dire, je sais pas, elle est partie loin. Oh, je sais pas. Allez, moi j'aimerais bien faire 50. Yes! Ah! Vite, c'est bientôt fini! Je sais plus s'il faut le faire une fois ou deux. Non, il faut le faire qu'une fois. Oh, j'ai pas réussi à faire 50. 49, pas mal! Voilà, comme promis. Quoi? La Covid. Bah du coup faut peut-être le refaire une deuxième fois quand même, hein. Bah je sais pas, peut-être. Et là je sais pas, là je... Ah oui, c'était écrit, vous avez touché au moins 20 cibles pour la croisière. Vous avez obtenu un flacon vide. Bah je sais pas. S'il faut le refaire ou pas. Bah on va le refaire et si ça servira à rien, on le montrera pas. Mais là du coup faut jouer. Payer. Puisque, tiens, plus que ça, tu remportes un prix. Donc en fait je devais faire pas grand chose. T'es plutôt à droite, je respecte ma promesse, prends ça. Donc c'était inutile. D'accord. Pas sûr que tu puisses faire mieux, mais si tu veux essayer à nouveau, c'est demande moi. Bah, et du coup le quart de cœur, il est où? Bah il a été remplacé par un flacon. Bon. J'espère que tu donnes rien d'autre, hein. Parce que tu nous fais perdre du temps, Koumé. Bah je vais... Je sais pas si je remonte le temps en fait. Non, non, il y a encore un petit truc à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aller tirer à l'arc. Dans le marais un peu après. Non, non, tu t'as pas besoin de téléporter. C'est pas genre quelque part par là. Si, si. Non, je vais sauvegarder parce que c'est dangereux. Voilà. C'est marrant parce que sur la stèle on voit tout le temps le champ. C'est au cas où que t'as oublié que tu veux. Tu sais plus comment le jouer. Et là, je vais à droite. C'est ça, c'est ça. Oh, je peux pas passer à travers les buissons, n'importe quoi. Regarde cette magnifique petite demeure. Elle est pas jolie. Tu voudrais pas habiter ici? Non, mais je veux bien aller dedans quand même. Stand de pêche? Oui, c'est vrai que du coup, il y a un stand de pêche maintenant. Monsieur, je viens te voir juste après, je fais un autre jeu d'abord. Ah oui, non, d'accord, il est là, ok. Oui, je me disais qu'il était haut, normalement. Ouais, ouais, mais bon, je me suis dit peut-être que ils ont changé. Ah, c'est mieux ça. Hé hé, mon pote, comment ça va? Tu veux jouer? Les règles de mon jeu sont super simples. Tire sur les flèches puis la plateforme, faut toutes les avoir, c'est tout, c'est pas compliqué. Si tu vises correct et que tu vises pas avec B, tu vas jamais les toucher. Après, mon pote. Vite! Attention, c'est les corbeaux là. Faut pas les rater, les corbeaux. Ah mais y'a un beau jeu là-haut. Ouais ouais, il faut pas le rater non plus mais... Attention le loup. Vite le loup. Oh, attention les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. Ils ont à gauche, à gauche, à gauche. Ah y'en a un là-haut aussi, les mojos. Ah oui d'accord, en fait ils sont toujours là. Ils sont bizarres du coup les mojos qui dansent. Ah c'est le loup. Ah. Oh purée. Non, il a dépop le loup, mais il a pas chanté. Je sais plus si je dois faire un parfait en plus. Bah ouais, tu dois faire un parfait. Je sais pas ce qui s'est passé avec le loup là, il est parti, je sais pas pourquoi. Donc normalement, il chantait sur la stèle. Enfin, la stèle sur la pierre. C'est quoi ce Goaï qui fait des bêtises? Le loup. Est-ce qu'il faut faire 2000 points? Oh, faut faire un parfait.
Loulou, c'est lui, il revient. Oh. Ouais, c'était lui, il est revenu, ok. Tu étais presque. Ah bah non, finalement. Bon, ok, ok. C'est gratuit. Mais Loulou, il t'a trollé en fait, il a des pop. Ça ressemble à rien. Bon bah faut pas chercher à comprendre. Hein. Alors gauche, ils sont à gauche. Ah c'est ce loup là tout à l'heure qui m'a eu. Non c'est pas lui. Ah c'est lui là qui t'a eu, c'est lui là. Ok. J'ai pas encore eu celui de là-haut mais c'est pas grave. Non mais celui de là-haut c'est bon. Il est tout le temps là en fait. C'est pas grave. Je peux le faire en dernier. Dès que t'as un moment de vie, plutôt. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, les Goaï? Ouf! Les pauvres Mojo. Attention, il y a ton Goaï préféré, là. Voilà. J'ai plus beaucoup de temps et j'ai toujours pas été chercher le Mojo. Revenez. Ok, il arrive lui, le dernier. Ah. Oh. C'est bon. Ok. Oh alors ça, c'était plutôt excellent. Bon sang de bonsoir, c'était parfait. Voilà pour toi, voilà pour toi. Merci. Le star, la star du tir à l'arc 1. Oh la magnifique tête. J'ai obtenu un score parfait et du coup j'ai gagné un carquois. Ah bon t'apparais là maintenant toi. Il a été mis dans le journal. Eh parle de ma boutique à tes copains, là compote, bah tu sais quoi, il faut que tu le refasses. Mais exactement la même chose, hein. C'est genre voilà. Je fais que te répéter, si tu vises pas, appuie sur B. Du coup, tu sais pas, ils ont mis deux fois exactement le même mini-jeu, parce que, voilà, c'était amusant. À moins qu'il y ait un quart de cœur avec la pêche, maintenant. C'est possible. Mais c'est bizarre qu'ils aient annulé le truc pour finalement mettre la pêche à la place, mais ils auraient pu mettre un flacon, non, je sais pas. Ouais. Donc un quart de cœur, je sais pas, non, dans Ocarina of Time, c'était un quart de cœur et pas un flacon. Il m'embête le petit Mojo là. Allez, on tire sur les Mojo. Oui, non. Non, à droite. Ah. Ouf. Oh, ça tremble. C'est trop épique là. Oh dommage. Mais attention, il y a le loup. Oh, c'est bon. Puis il y a lui aussi que j'ai toujours pas. Un Goaï aussi. Un Goaï? Oh. Ah non, il y en a plus. Eh oh. Ah bah là ça a été beaucoup plus rapide. J'ai fait mieux. J'étais mieux organisé. C'est bien, bravo. Ah oh, ça c'était excellent. Tiens, là pour toi, voilà pour... Oh bah dis donc. Oh là. Vous avez marqué au moins 2180 points au stand de tir. Vous avez gagné un fragment de cœur. Ah parce que c'est 2180 points. Par contre c'était un peu bizarre, ils auraient pu au moins laisser l'animation du quart de cœur avant. Eh parle mes bouts de là, ok. Bah du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je verrai le stand de la pêche une autre fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie de Majora's Mask 3D. Au revoir tout le monde!